ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Notre Dieu, notre Père, nous voulons écouter tes oracles, ta parole, elle est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité délivre. La vérité éloigne l'ignorance. La vérité instruit. Sanctifie ton peuple par la vérité et dans la vérité. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons, dimanche dernier, parlé de l'intelligence. Nous cheminons et dans ce domaine pour ces jours parler des souvenirs. Ce message est intitulé Souviens-toi. Un homme intelligent, une femme intelligente, c'est une personne qui a en mémoire des souvenirs. Il y a de mauvais souvenirs qu'il faut effacer de sa mémoire, mais il y a de bons souvenirs qu'il faut garder, parce que les souvenirs du passé, lorsque vous avez été conduit dans des victoires, vont influencer vos combats à venir. Voilà pourquoi David n'a pas peur d'affronter le géant Goliath. En souvenir de la victoire écrasante qu'il a eu sur les lions, alors que le peuple d'Israël, l'armée d'Israël, reculait devant Goliath et dit: je vais l'affronter. Et il s'appuie sur le souvenir pour l'affronter. Le lion venait attaquer le brebis de mon père.
J'attaquais les lions à main nue et je les tuais. Les souvenirs, c'est un élément de motivation. Surtout lorsqu'ils sont bons. Surtout lorsqu'ils vous ont conduit dans des victoires. Un homme sans souvenir, c'est un homme mort. C'est dommage de voir des vivants, mais alors de morts vivants. Les enfants d'Israël, de la génération de ceux qui sont sortis d'Égypte, sont tous morts dans les déserts parce que ce peuple était un peuple sans souvenir. L'oubli des souvenirs tue. L'oubli des souvenirs conduit à l'ingratitude. L'oubli des souvenirs affaiblit. Chrétien sans souvenir est un homme mort. Parce qu'il n'y a que le mort qui ne se souvient de rien. Le mort n'a pas d'intelligence. Un homme intelligent, alors que nous avons parlé de l'intelligence, c'est un homme qui a en mémoire des souvenirs. Les souvenirs peuvent servir de modèle. Les souvenirs peuvent servir d'appui. Les souvenirs peuvent fortifier quelqu'un. Il y a quelques années, tu étais à l'hôpital. Dieu t'a visité. Dieu t'a guéri. Et lorsque, quelques temps plus tard, tu vas te retrouver dans la même situation, ta seule prière qui va te guérir, c'est de te souvenir de ce que Dieu avait fait auparavant. Lorsque tu vas te souvenir de ce que Dieu avait fait auparavant, en l'instant, Dieu fera ce qu'il avait fait hier. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Israël devrait se souvenir de son passé. Parce que les bons souvenirs de Dieu, les bonnes victoires de Dieu, les délivrances de Dieu, les guérisons de Dieu, le miracle de Dieu, le bienfait de Dieu influencent toujours notre attitude. Ceux qui se souviennent de mauvaises choses verront leur attitude affectée négativement. Facilement, ils peuvent se décourager. Souviens-toi de Dieu. Souviens-toi de ta famille. Souviens-toi de celle qui t'a porté 9 mois dans son sein. Souviens-toi de ton père. Souviens-toi de celui qui t'a élevé. Souviens-toi de celui qui t'a formé. Souviens-toi de celui qui t'a donné du travail. Souviens-toi de l'église. L'église qui t'a béni. L'église
qui a fait que tu sois ce que tu es. Souviens-toi de la nation. La nation qui t'a instruit. Tu as étudié avec la bourse de la République. Avec l'argent de la République. Est-ce que tu as des souvenirs avec Dieu? Souviens-toi de ton ami. Il y a quelques années, je recevais un appel d'Afrique. Un ami m'appelait pour me dire son fils. Mais il dit ton fils va se marier. Nous étions étudiants à l'université et lui il était étudiant marié et moi j'étais célibataire. C'est sa femme qui faisait à manger pour moi. Et cette femme lavait même mes vêtements. Elle me regardait comme le frère de son mari. Et ma femme devrait partir en Afrique. Je dis à mon ami, ma femme arrive, vous aurez mes nouvelles. Je dis à ma femme, cet enfant je l'ai porté, mais pas pour lui, mais pas à cause de lui. À cause de sa mère, ce que cette femme a fait pour moi. Jamais je préparais. Alors que les autres étudiants revenaient de la fac, devaient commencer à préparer, moi, je sortais de la fac, j'allais chez mon ami, je mangeais à midi, je mangeais le soir. Je dis, cette femme, je t'ai toujours parlé d'elle. Je vais m'occuper de ces garçons. Je vais l'habiller comme un prince. Bien-aimé, je l'ai fait. Ses parents étaient choqués. J'ai habillé les garçons, j'ai habillé les parents. Et pour vous dire, parce que j'ai un souvenir, ne fais jamais du mal à quelqu'un qui t'a fait du bien dans la vie. Un homme sans souvenir, c'est un homme mort. Souviens-toi. Souviens-toi de Dieu. Souviens-toi de ta famille. Souviens-toi de tes parents. Souviens-toi de la nation. Souviens-toi de l'Église. Lorsque tu te souviens de Dieu, tu es reconnaissant à Dieu. Dieu ne fait que te bénir davantage. Le souvenir d'hier, parce que tu te souviens de Dieu, de ce que Dieu a fait dans ta vie, de ce que Dieu a fait de toi, tu serais peut-être déjà mort, tu serais détruit par l'ennemi. Mais lorsque tu te souviens des bienfaits de Dieu, de la bonté de Dieu, et Dieu voit que tu te souviens. Ézéchias mourant se tournant vers Dieu, non. Souviens-toi.
Oui, Dieu aussi se souvient de nous. Nous nous souvenons de Dieu, mais Dieu aussi se souvient de nous. Bien-aimé, un homme qui vit dans l'oubli, c'est un homme animal. Les chiens, tu l'as frappé. Les chiens ont pris un vrai coup. Parce qu'il voulait te prendre un morceau de viande. Mais le voilà revenu. Un deuxième coup fatal. Et il s'en va. Mais le chien revient encore. Parce qu'il ne se souvient de rien. Un homme sans souvenir est un homme animal. Un homme sans conscience. Je vous ai parlé de la conscience. Conscience pure, conscience corrompue, conscience fuyée. Je vous ai parlé de l'intelligence. Et je vous parle de souvenirs aujourd'hui. Ces trois choses fonctionne ensemble. Un homme intelligent, c'est un homme qui a des souvenirs. Israël devrait se souvenir de Dieu. Dieu recommande à Israël de se souvenir de lui. Pourquoi? Parce que Dieu savait que le peuple va affronter ses ennemis sur la terre de Canaan. Le peuple sera effrayé devant ses guerriers. Mais il dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi de la manière dont je te fais traverser la mer Rouge. Souviens-toi de la manière dont je mis en déroute l'armée de Pharaon. Lorsque tu te souviendras, c'est de la même manière que je ferai. Lorsque tu te souviens de la guérison d'hier, parce que ce que tu ne comprends pas, la guérison n'est pas éternelle. Aujourd'hui, tu peux être guéri de la tuberculose et demain tu tombes malade d'une autre maladie. Qui t'a dit que tu ne tomberas plus jamais malade? Nulle part la parole de Dieu l'a dit. Lazare est mort. Christ l'a ressuscité. Mais il est encore mort. Malade, Dieu te guérit. Et demain, si tu tombes malade, ta prière consiste à te souvenir de la première guérison. Mais les chrétiens oublient le souvenir de Dieu. Les chrétiens oublient facilement. Personne ne peut être là sans avoir les souvenirs de Dieu. Les chrétiens oublient facilement les souvenirs de l'Église. Je disais au couple marié hier que l'Église est une couverture pour le mariage. Combien sont sortis de l'Église et finis par le divorce? J'en sais quelque chose. Je suis allé dans une église partenaire et le pasteur m'annoncera que tel frère et telle sœur qui ne sont plus dans l'église sont divorcés. Au moins 4 ou 5 couples comme ça dans la même église. Et tous ces divorces ont eu lieu après qu'ils se soient
éloigné de l'église. Après qu'il se soit mis à combattre même l'église, à critiquer même l'église. L'église est une couverture. Pierre était en prison. L'église a prié pour Pierre. Et le Seigneur a intervenu. L'église a intercédé pour Pierre. L'église aussi fait du bien à quelqu'un. L'église aussi donne l'amour à quelqu'un. L'église aussi soutient quelqu'un. Et il faut toujours en mémoire se souvenir de bienfaits des autres. Il y a un adage africain qui dit: tu manges sur une assiette aujourd'hui, n'oublie pas qu'hier tu avais mangé sur le feuille. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Certains ont régné leurs parents faute de souvenirs, pas de mémoire. Je devrais intervenir dans une histoire folle d'une famille. Une femme qui vendait du poisson sur le marché. Avec ses économies, elle a envoyé son fils en Europe. Et ses fils arrivés en Europe, il a regroupé tous ses frères et ses soeurs. Tous sont arrivés. Voilà que les parents aussi sont arrivés. Mais à un moment donné, il s'est posé la question de la prise en charge du parent. Et le premier qui était arrivé et qui avait fait venir les autres, il était seul à prendre les deux parents en charge contre le refus des autres. Les enfants dans l'essence ont oublié qu'ils sont sortis des entrailles de cet homme et de cette femme. J'avais le pleur devant ces enfants. Chaque enfant avait un prétexte, une raison pour dire: mon emploi du temps ne me permettra pas de s'occuper de maman, de s'occuper de papa. Des choses vécues. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, au chapitre 8, verset 2. Pourquoi se souvenir? Nous lisons la parole de Dieu, Deutéronome 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 ans.
Nous avons chacun un chemin avec Dieu. Nous avons chacun un parcours avec Dieu. Nous avons chacun un chemin avec l'Église. Nous avons chacun un chemin avec la famille. Est-ce que tu te souviens de ce que Dieu a fait dans ta vie? Est-ce que tu te souviens de ce que quelqu'un a fait dans ta vie? Tu dis, Israël, souviens-toi, parce que Dieu sait que lorsque le peuple va se souvenir, les victoires du passé, les délivrances du passé vont influencer les situations présentes. Et ils pourront marcher de victoire en victoire. Le peuple était dans l'oubli. Aujourd'hui, Dieu opère un miracle. Louange à Dieu. Ah, Moïse, ton Dieu est vivant. Demain, ils ont faim. Moïse, ramène-nous en Égypte. Pourquoi tu nous as amenés ici? Expliquer une telle attitude. Vous étiez esclave, Dieu vous libère et vous voulez retourner dans l'esclavagisme. Le problème, il est où? C'est l'oubli, le manque de souvenirs. Beaucoup de chrétiens ont abandonné l'église, beaucoup de chrétiens ont abandonné les hommes de Dieu. Beaucoup de chrétiens insultent l'église. Bien-aimés dans le Seigneur. Je parlais d'une personne tout à l'heure. Avec un serviteur de Dieu. Qui a été guéri des cancers. Mais qui rejette l'église. Mais guéri par Dieu. Ne reconnaît pas le bienfait de Dieu. Quelle malédiction! Quelle malédiction! Parce que les délivrances se conservent, les guérisons se conservent, les grâces se conservent, et toutes ces choses, tu ne peux les garder si tu as le souvenir de Dieu qui a fait. Que tu sois en bonne santé, que tu aies une femme, que tu aies un mari, que tu aies des enfants, que tu aies un travail. Comment peux-tu oublier que hier, tu dormais sur une natte et aujourd'hui, tu dors dans un château. Mais tu ne peux pas oublier la natte. C'est une natte quand tu t'es réveillé. Tu avais les dessins sur ton corps, sur ton visage de la natte. Comment peux-tu oublier la natte? Tu viens de quelque part. Tu viens de quelque part. Pense d'où tu viens. Tu viens de quelque part. Pense d'où tu viens. Les chrétiens doivent cesser de faire les choses que les politiciens font. Et les politiciens non chrétiens, d'ailleurs. Qu'est-ce que nous observons chez les politiciens? Tu prends quelqu'un dans ton cabinet, tu le formes, tu le prépares. Tu permets son élévation. Et il a des moyens. Il est connu. Il nourrit la mission. Il nourrit la mission. Tu es président, il dit, moi aussi je vais devenir président. Tu es candidat, il est candidat en face de toi. Il commence à te critiquer.
Dieu lui a fait confiance. Et il avait la connaissance des dossiers, des secrets d'État. Et il commence à tout publier. Il oublie d'où il vient. Il oublie le faiseur de roi. Ça, c'est le monde. Ces choses ne doivent pas rentrer dans l'église. Ces choses ne doivent pas être présentes dans la vie des enfants de Dieu. Les chrétiens doivent être des hommes et des femmes de souvenirs. Ce souvenir de Dieu, ce souvenir de l'église, ce souvenir de la famille, ce souvenir de celui qui t'a fait. Celui qui t'a fait ne te réclame rien, parce que personne ne peut se faire. Dieu mettra toujours sur ton chemin quelqu'un qui va te faire. Mais moi qui vous parle, on m'a fait. Mais je demeure reconnaissant. Je connais tous mes maîtres. Tous mes maîtres. Dans les choses de Dieu. Dans les choses naturelles. Tous mes maîtres. Et à chacun, je sais ce que je reçus. Je sais ce qu'il m'a donné. Et partout où je passe, j'ai appris auprès de cet homme. Cet homme avait de valeur et il m'a donné de valeur. Je me souviens du bienfait de cet homme. Je me souviens du bienfait de cette femme. Je me souviens. Parce que le souvenir attire les bénédictions de Dieu. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Voilà pourquoi Christ, il guérit 10 lépreux. Mais un seul se souvient que non, mais cet homme a guéri. 10, les 9 continuent leur chemin. Ils sont dans la joie parce qu'ils sont guéris. Mais un d'entre eux dit non, il se souvient. Bien-aimé, il faut se souvenir. Et dans Deutéronome au chapitre 8, nous lisons le verset 18. Deutéronome chapitre 8, verset 18. J'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Lisez encore Deutéronome 15:15. Deutéronome chapitre 15, verset 15, il la parlons de Jésus-Christ. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Quand tu vas dans l'administration française, tu vas voir que les caïds, ce sont ceux qui sont venus dans ces pays comme immigrés. Ils ne se souviennent pas qu'ils sont venus d'ailleurs. Donc, ils sont plus français que les Français. Si tu es en face d'un pécheur, approche le pécheur avec l'amour, parce que lui ne connaît pas Dieu. Souviens-toi que toi aussi tu étais pécheur. Et quand tu as présenté l'évangile, ne les rejette pas facilement. Souviens-toi de quelle manière tu es venu au Seigneur. Ce souvenir vous rend reconnaissant envers Dieu. Dans le livre d'Exode, au chapitre 23, verset 9, nous lisons. Nous lisons la parole de Dieu, Exode 23, verset 9. Tu n'opprimeras point l'étranger,
vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Alléluia. Lorsqu'un étranger devient français et il regarde celui qui arrive comme n'étant pas français, il a oublié d'où lui le fait. Il n'accepte pas que l'autre devienne français comme lui. Lorsque tu sers Dieu et que l'autre arrive, il doit servir Dieu, tu dis non. J'ai souffert de ces choses. D'où il vient celui-là? Nous, nous avons été là avec les bishops depuis. Mais ce n'est pas l'église des bishops, c'est l'église de Christ. Alléluia. D'où il vient? Mais souviens-toi d'où tu es venu, comment je t'ai accueilli, comment je fais de toi un ministre, un serviteur. Pourquoi ne veux-tu que j'accueille l'autre qui arrive et que je fasse de lui ce que je fais de toi? C'est parce que tu n'as pas de souvenir. L'homme sans souvenir n'aide pas les autres à devenir ce qu'il est devenu. Les souvenirs cultivent l'humilité. Je regarde ma réussite comme la grâce de Dieu. Je considère que Dieu m'a sorti de la boue. Je considère que Dieu a fait de moi. Est-ce que je le méritais? Les souvenirs cultivent l'humilité. Lorsque vous vous souvenez et que vous êtes reconnaissant à Dieu, les souvenirs brisent l'orgueil. Les souvenirs brisent l'orgueil parce que tu vas toujours constamment regardez ton parcours. Comment Dieu t'a amené dans une position où tu n'y étais pas. L'oubli, le manque de souvenir à Dieu, aux humains, à ceux qui t'ont fait du bien, amène quelqu'un à l'échec. Pourquoi? Parce que lorsque tu n'as pas de souvenir du bienfait de Dieu, tu n'as pas de souvenir du bienfait de l'Église, tu n'as pas le souvenir du bienfait de tes parents. La Bible dit « Honore ton père et ta mère. » Et alors, tes jours seront longs. Le contraire, c'est attirer la malédiction. Lorsque tu n'as pas de souvenir de tes parents, tu attires la malédiction sur ta vie parce que tu ne les honores pas. Tu les as oubliés. Tu n'es pas reconnaissant. J'étais à une réflexion hier matin de la pastorale. Et j'essaie de faire une analyse sur la situation de l'Église, corps de Christ. La difficulté qu'il y a dans l'Église de la francophonie. Pourquoi l'Église de la francophonie piétine? Il y a une question de mentalité, oui. Mais il y a le problème de la filiation spirituelle.
un serviteur de Dieu francophone a la facilité de régner son père spirituel du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Il a la facilité de l'insulter, de répandre de mauvaises nouvelles contre sa personne. Il a la facilité de quitter l'église sans qu'il soit établi. Vous savez, consacrer un ministre dans une église, c'est une chose. Mais l'établir, c'est une autre. Quand on te consacre pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, dans une église, tu es consacré dans l'église comme ministre de Dieu, mais tu n'es pas établi. Établir un serviteur de Dieu, c'est un autre acte que l'église pose. Le jour où l'église doit les libérer pour aller bâtir. Le jour où l'église doit prier pour lui. Le jour où l'église lui donne quelques personnes qui vont l'accompagner dans sa nouvelle mission. Ça, c'est établi. Or, chez les anglophones, on consacre et l'on établit. Chez les francophones, on consacre, mais les gens ne sont pas établis. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous revenons au problème des souvenirs. Les francophones n'ont pas de souvenirs. Et cela fait échouer l'église francophone. J'étais en train de suivre un homme de Dieu, pour ne pas faire sa publicité, dont l'église compte 2000 membres. Et pendant toute son interview, il a plus parlé de son père spirituel que de lui-même. Son père spirituel n'a même pas 500 membres. Mais il a plus parlé de son père spirituel que de lui-même. Parce qu'il se souvient d'où il vient. Il se souvient qui a fait de lui ce qu'il est devenu. Beaucoup vont souffrir faute de souvenirs. Parce que l'oubli conduit à l'ingratitude. Souviens-toi de Dieu. Même celui qui est à tes côtés, un jour t'a donné un conseil. Et par ce conseil, tu as reçu. Même les frères qui sont à tes côtés là, même la sœur qui est à tes côtés, tu peux te souvenir de lui. Tu peux te souvenir. Souvenir ne veut pas dire qu'on te réclame de dommages et intérêts. Non. Les souvenirs ne sont pas pécuniers, mais c'est moral. Alléluia. Vous savez, quand j'accompagne les gens dans l'administration ici, ceux qui reçoivent les statuts les savent. Je leur dis, pensez à Dieu. Pensez à l'église. Qu'est-ce que je t'avais dit? Donne une offrande à Dieu et tu réussiras. Tu l'as fait. J'ai pris, j'ai mis dans ma poche. Je te dis quoi? Donne une offrande. Parce que Dieu va te donner ce que tu désires. Souviens-toi de Dieu. Alléluia. La reconnaissance n'est pas le fait que celui qui fait de toi ce que tu deviens, devient ton oppresseur et tu es son esclave. Non. On ne fait pas du bien aux autres pour qu'ils reviennent toujours s'incliner devant nous. Non. On fait le bien aux autres pour ceux qui ont bénéficié de ces biens et qui vont le faire aux autres.
qu'on t'a fait, fais-les aux autres. Ce que tu as vu, dis-le aux autres. Ne laissez pas la perte de mémoire vous mener vers la folie. Chrétien, vous commencez à devenir des fous. Chrétien, vous commencez à tout oublier sur votre passage, d'où vous êtes venu, votre parcours. Tu as traversé la Turquie. Combien sont restés dans la mer? Mais toi, tu es là. Tu es là. Combien sont restés dans la mer? Demain, tu as une belle veste, une belle voiture, une belle maison, du travail. Tu as oublié la traversée de la mer. Mais toi, Dieu t'a fait traverser la mer. Avec tous les risques, tu es arrivé ici. Souviens-toi de Dieu. Souviens-toi de Dieu. Souviens-toi de Dieu. Combien sont morts dans les déserts? Tu es venu par les déserts. Tu as vu des cadavres, des ossements desséchés. Mais toi, tu es arrivé à bon port. Souviens-toi de ces dieux-là. Souviens-toi de celui qui t'a hébergé même une nuit. Une nuit seulement. Mais c'est étonnant. Ces gens rentrent dans des conflits. De toutes les façons, quand j'étais chez toi, oh! Bien-aimé, tu n'as pas dormi dehors. Une nuit seulement. J'ai toujours donné ce témoignage. Cet homme travaille à la présidence de la République. Même dans des moments difficiles. Sa fille était amie à mon épouse. À l'époque, nous étions des fiancés. Moi, j'étais un étudiant affairiste. J'étudiais, je faisais des business. Et je servais Dieu. Cet homme ne pouvait pas enterrer son petit enfant qui est décédé. Et je dis, je vais le faire. Qu'est-ce qu'il vous faut? Papa, il nous faut ça, ça, ça. Mais il y a un jour, Dieu l'a relevé. Nommé diplomate en France. Et à l'époque, je devrais voyager. C'est fait une période difficile. Où on interdisait les visas aux officiels congolais. J'étais délégué au ministère des droits et libertés. Je suis allé jusqu'à introduire mon passeport dans la famille du chef de l'État. À l'ambassade de Belgique, France, partout, dit surtout pas la famille de Mobutu. Personne ne peut recevoir les visas.
j'étais bloqué. Mais cet homme, quand il a appris que je voulais voyager, il dit, papa, donne-moi seulement une bonne adresse. Je t'envoie une invitation. Et il s'est souvenu de moi. Il s'est souvenu. J'arrivais à Vienne. À l'époque, il n'y avait même pas de Congolais à Vienne. La voiture de l'ambassadeur m'attendait à l'aéroport. Ce n'est pas une histoire où je vais aller, où sont mes compatriotes. Va à Château-Rouge, tu le verras là-bas. Cet homme s'est souvenu de moi. Mais des années, bien-aimés, souvenez-vous des autres. Souvenez-vous de Dieu. Souvenez-vous de vos familles. Souvenez-vous les uns les autres. Tu m'as dit qu'un frère t'a donné du travail. Souviens-toi de ce frère. Voilà quelqu'un qui débarque au jubilé. Un frère lui dit, viens, viens travailler avec moi. Il l'amène à son travail. Est-ce que tu pourras l'oublier? Parce que c'est ça la mentalité aujourd'hui. Est-ce que tu pourras oublier ce frère-là? Je ne te demande pas de lui donner de l'argent. La reconnaissance, c'est une attitude morale. Mais là, si tu veux donner, c'est ton problème. C'est un état d'esprit. Dans Matthieu, au chapitre 16, versets 9 et 10, Matthieu, chapitre 16, versets 9 à 10, je lis la parole au nom de Jésus. Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Merci. Jésus traite de ses disciples des hommes sans intelligence. Je vous ai dit conscience, intelligence, souvenir. Trois choses qui fonctionnent ensemble. Il venait de nourrir 5000 hommes. Mais à peine, ils ont oublié. Alléluia. Chrétiens, n'oubliez pas facilement. N'oubliez pas facilement. N'effacez pas tout comme ça sur vos mémoires. Mais vous ne pouvez pas tout effacer. Parce que vous savez, la vie est faite de repères. Vous ne pouvez pas être un homme, une femme sans repères. Vous avez une expérience avec Dieu à raconter aux autres. Vous avez aussi des expériences avec les hommes à raconter aux autres. Vous savez, quelque part, Dieu ordonne à Israël, souvenez-vous de tout ce que je fais avec vous. De l'Égypte jusqu'à la terre promise. Et il leur dit, rapportez ce souvenir à vos enfants. Est-ce que vous avez des choses à raconter à vos enfants? Qu'est-ce que vous devez raconter? Et le Seigneur, ces rencontres que les disciples qui sont avec lui ont perdu l'intelligence.
Vous êtes des hommes sans intelligence. À peine, vous avez oublié. À peine, vous avez oublié. Dans Marc 8, 17 et 19, nous lisons la parole de Dieu, Marc 8, versets 17 à 19. Jésus, l'ayant connu, leur dit : Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain ? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas ? Avez-vous le cœur endurci ? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas ? Et n'avez-vous point de mémoire ? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5 000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté ? 12 lui répondirent. Lorsqu'on vous dit que vous n'avez pas de mémoire, scientifiquement c'est grave. Même les personnes qui souffrent de maladies Alzheimer, ma femme s'est spécialisée sur ça, elle est auprès de ces personnes. On en discute beaucoup, on en parle beaucoup. Je les ai visitées et je vis comment ils agissent. J'étais à table avec une personne souffrant de cette maladie autour d'une fête au travail de ma femme et je vis que elle voulait se laver les mains mais la personne a oublié que l'eau qui était dans le verre c'était pour boire et donc mémoire. Jésus dit des hommes sans mémoire, c'est-à-dire des hommes sans souvenir. Les souvenirs influencent notre attitude positivement. Et c'est pour cela que dans Exode 13, là encore, Dieu parle à travers Moïse. Exode 13, verset 3. Exode, chapitre 13, verset 3, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Souvenez-vous de ces jours où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude. Souvenez-vous de vos délivrances. Souvenez-vous de vos guérisons. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait pour vous affranchir. Et dans Deutéronome chapitre 4, verset 9. Deutéronome chapitre 4, verset 9, je lis la parole au nom de Jésus. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Merci mon frère. Veille sur ton âme. Veille sur ton âme. Quand tu oublies les choses que Dieu a fait, quand tu oublies les choses que tu as vues, ton âme est en difficulté. Ton âme est en danger. Tu sais, Satan peut réclamer ton âme en te faisant oublier le bienfait de Dieu. Le
bienfaits des autres, les bienfaits de l'église. Savez-vous que Satan réclame les âmes tous les jours? Même si tu es pasteur, Satan peut réclamer ton âme. Même si tu es apôtre, Satan, qu'est-ce que tu vaux? Qu'est-ce que tu vaux devant Satan? Qu'est-ce que tu vaux par rapport à Pierre? Jésus dit, Pierre, Satan vous a réclamé. Satan peut te réclamer et te faire oublier les souvenirs de Dieu. T'élever dans l'orgueil. La Bible dit que l'orgueil précède la ruine, la chute. Il y a eu des gens qui ont été élevés à des postes de responsabilité. Mais quelques temps après, on a oublié le faiseur de roi. Et le faiseur de roi dit, bon, je vais appuyer sur le bouton. Comment tu peux m'oublier facilement? Je parle des choses vécues. Quelqu'un devient ministre, il oublie celui qui a fait de lui ministre. Et le faiseur de roi dit, bon, on attend le prochain remaniement. Prochain remaniement, il n'est plus là. Parce qu'il a oublié facile. Le pasteur Chay nous avait donné l'exemple ici d'un frère, un chrétien, pas un païen, qui priait avec lui, qui est devenu ministre. Et quand il est allé à sa résidence, il ne l'a même pas regardé. Souviens-toi. Je m'efforce toujours à me souvenir de Dieu. Je sais qu'un jour, je mis le feu sur mon matelas sans le savoir. Et je dormais. J'étais en train d'étudier. Le matelas a pris feu. J'ai senti une chaleur sur mon corps. Et c'est Dieu qui m'avait réveillé. Je n'ai pas brûlé. Est-ce que je peux oublier cela? Je sais qu'un jour, j'étais en train de mourir. J'étais à la frontière. De l'interco, j'étais transféré à Bichat parce qu'Henri Mondor n'avait pas de place en réanimation pour m'accueillir. Je suis resté une nuit en réanimation. À mon arrivée, je vis le médecin se regarder, secouer leur tête. Je savais. Qu'est-ce que le médecin voulait dire? Je connais les attitudes de médecin. Des fois, il se regarde, ne parle pas en votre présence, mais il se communique. Je vis le médecin regarder le fichier de la radio et l'autre, après le 2. Monsieur, est-ce que tu fumes? Non. Tu bois l'alcool? Non. Mais ce n'est pas possible. Mais au milieu de la nuit, alors que j'ai deux mains, je vois une troisième main. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis fou ou quoi? Et j'entends une voix.
avec toi. Ne crains rien. Est-ce que je peux oublier ce Dieu-là? Je peux oublier cet hôpital-là. Est-ce que je peux oublier ce moment-là? Bien-aimé, j'ai eu des occasions de partir et de vous laisser évoluer dans d'autres cieux. Mais des moments de combat difficiles où tu dois prendre une décision importante de la vie. Quand je pense à Dieu, je pense aux âmes de Dieu. Je dis, je préfère manquer l'argent et servir ce peuple. Je vous ai dit que j'étais étudiant, mais j'étais businessman. Ceux qui viennent de Brazzaville, qui connaissent les laboratoires Laborex, je ne sais pas avec les événements si ça existe encore. Laborex, c'est un pilat. J'achetais les médicaments pharmaceutiques que je fournissais dans le dépôt des Libanais à Kinshasa. Dans les affaires, moi, je sais faire les affaires. Je suis allé en forêt avec une motopompe creuser les diamants. Si c'est pour l'argent, je ne serai pas là. Mais parce que je me souviens de ces dieux-là qui m'a donné la vie. Qui m'aime, moi je sais que Dieu m'aime. Et je sais que j'ai un Père, le Tout-Puissant. Et je sais que je viens de la famille de Lévi. Ne pas servir Dieu, c'est chercher la mort, c'est courir vers la mort. Je me souviens de Dieu. Je me souviens de l'Église. Je me souviens de tous ceux qui m'ont aidé dans ma vie. Je me souviens de tous ceux qui m'ont fait du bien. Quand vous vous souvenez de Dieu, la bénédiction de Dieu vous accompagne. Quand vous rentrez dans l'oubli, Dieu arrête tout. Il arrête tout parce que vous n'avez pas de souvenirs. Quelqu'un aujourd'hui laisser le souvenir de Dieu, les bienfaits de Dieu, imprégner sa foi, imprégner sa vie. Bien-aimé, il y a des choses que tu ne feras pas si cela dépendait de moi, parce que je suis un homme comme toi. Je peux te dire, fais ceci. Tu refuses de le faire. Mais quand tu regardes Dieu, quand tu te souviens de Dieu, tu dis, à cause de Dieu, je vais le faire. À cause de Dieu, je vais servir l'Église. À cause de Dieu, je vais donner à l'autre. Quand je me souviens que j'étais dans le manque, Dieu m'a donné, et l'autre est dans le manque, je vais donner. Bien-aimé dans le Seigneur, ne soyons pas des hommes sans mémoire. Ne soyons pas des hommes sans repère. Parce que chacun a une histoire à raconter à ses enfants, à ses contemporains. Et dans l'histoire de ton parcours, tu dois parler des hommes qui t'ont fait du bien.
pas seulement parler de Dieu, parce que Dieu a utilisé des canons. Et les canons que Dieu utilise, ce sont des hommes. Je vous ai parlé de cette femme que je n'oublie jamais. À chaque fois que ma femme voyage, on fait des colis pour la famille. Je dis toujours à ma femme, hey, tu as pris le super wax de maman Biti. Cette femme qui m'a nourri. J'étais un bon étudiant, un étudiant brillant, parce que je mangeais bien. Et je mangeais bien parce qu'elle faisait à manger pour moi. Son mari ne peut pas m'appeler sans que je réagisse. Ses enfants ne peuvent pas m'appeler sans que je réagisse. Parce que je me souviens toujours. Des fois, je me vois à table quand je pense à elle. Pas que son mari arrive pour me servir. Dès que je rentre dans la maison, le service pour moi est prêt. Que son mari soit là ou pas. Je mange, je vais faire la sieste, je vais à la bibliothèque. Le soir, je viens encore manger tranquille, comme ma mère. Comment oublier une telle femme? Comment? Vous avez des personnes qui vous ont fait du bien, que vous avez oublié. Répentez-vous. Répentez-vous. L'ingratitude tue. Vous avez des gens qui vous ont aidé à réussir, que vous avez oublié. Répentez-vous. Comment quelqu'un peut t'aider dans ta vie? Un jour, tu deviens son ennemi. Répands-toi, réconcilie-toi avec cette personne. L'ingratitude tue. Sois reconnaissant. Souviens-toi de la natte. Souviens-toi de feuilles. Souviens-toi que tu manges avec tes doigts. Aujourd'hui, si tu es invité dans un restaurant, tu n'as pas de choix. C'est quand tu n'as pas l'habitude, hein. Des fois tu regardes les voisins, les couteaux s'approchent. Et quand tu es seul, ah, je sais d'où je viens. Amen. Souviens-toi. Que le Seigneur vous bénisse. Demandez une prière à Dieu. De rafraîchir la mémoire de quelqu'un. Peut-être que tu es tombé dans l'oubli. L'oubli des délivrances de Dieu. L'oubli des guérisons de Dieu. L'oubli des bienfaits de Dieu. L'oubli des bienfaits de l'Église. L'oubli des bienfaits des autres. L'oubli des bienfaits de tes parents. Dis à Dieu, Seigneur, je me souviendrai toujours de toi. Je sais qu'un jour, rappelle à Dieu tout le bien qu'il t'a fait dans ta prière. Souviens-toi de Dieu. Et si quelqu'un t'a fait du bien dans ta vie et qu'en retour tu lui as payé avec une monnaie de singe, répands-toi, demande pardon à Dieu
Réconcilie-toi avec cette personne. Réconcilie-toi. Ne sois pas en conflit avec celui qui t'a fait du bien. Même dans ta propre famille. Celui qui t'a hébergé est devenu ton ennemi. Un cousin, une tante, une cousine, un oncle. Ça fait des polémiques, tu es parti en catastrophe. Ne cherche pas à avoir raison. La Bible dit, recherche la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Sois reconnaissant. Souviens-toi de bienfaits. Si tu te souviens des bienfaits, on continuera toujours à te faire du bien. Si tu te souviens de bienfaits de Dieu, Dieu continuera toujours à te bénir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Pourquoi tu fais épuiser les bontés de l'Éternel dans ta vie? À cause de l'ingratitude. Tu as oublié tout ce que Dieu a fait avec toi dans ta vie. Les choses que les gens oublient. C'est un virus grave. Nous voulons prier. Bien-aimé, parle à Dieu. Demande pardon à Dieu. Si tu as oublié ces guérisons, si tu as oublié ces délivrances, tu sais que Dieu peut ramener la maladie dans ton corps juste pour te rappeler les choses. Pour que tu te souviennes de lui, parce que tu ne te souviens pas de lui. Dieu peut créer une situation dans ta vie pour que tu te souviennes de l'ancien aimé, parce que tu l'as oublié. Et Dieu crée une situation. Cette situation va t'amener à te souvenir de l'ancien aimé, mais ça va être une situation catastrophique. Élève ta voix. Dis à Dieu, Seigneur, je me souviens de toi. Parle à Dieu. Souviens-toi de Dieu. Du travail qu'il t'a donné. Du mariage qu'il t'a donné. Des enfants qu'il t'a donné. De la guérison qu'il t'a donné. Souviens-toi de tes parents qui t'ont élevé. Qui ont fait de toi ce que tu es. Souviens-toi de ton prochain qui t'a fait du bien. Souviens-toi, 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 repens-toi de ton ingratitude. Repens-toi de ton ingratitude. Sois reconnaissant Dieu, sois reconnaissant l'Église, sois reconnaissant tes parents, sois reconnaissant tes amis, sois reconnaissant, sois reconnaissant, sois reconnaissant. Seigneur, l'oubli des souvenirs a amené la sécheresse dans ta vie. Dieu donne et continue à donner à ceux qui se souviennent de lui. À cause de l'oubli, tu as oublié Dieu et Dieu aussi t'a oublié. Dieu a oublié ta maison. Mais ce matin, je veux que quelqu'un dise avec moi, la sécheresse est finie. La sécheresse est finie.
parce qu'il y a une sécheresse spirituelle, une sécheresse financière, une sécheresse matérielle dans ta vie du fait de l'oubli. Tu as oublié le souvenir de Dieu. Les souvenirs de Dieu sont des souvenirs de grâce, de délivrance, de guérison. Et Dieu a séché. Il a séché. Dieu t'a donné du travail. Tu l'as oublié dans les offrandes et dans les dîmes. Il a séché tes finances. Tu travailles, mais tu n'arrives pas à t'organiser. Tu as toujours des problèmes d'argent parce que Dieu a séché. Parce que tu ne te souviens pas de Dieu dans tes dîmes et dans tes offrandes. Quelqu'un dit amen. Reviens à Dieu avec de bons souvenirs. Seigneur, c'est toi qui me donnes la santé. C'est toi qui me donnes l'argent. C'est toi qui me donnes le travail. Je me souviens de toi. Et à cause de ces souvenirs, je t'apporte ma dîme. Je t'apporte mon offrande. Bien-aimé, même dans les domaines d'argent, pas de souvenirs à Dieu. On oublie Dieu facilement. Facilement. Je vis quelqu'un ici. Ah, oh, ben, tu sais, moi, quand je vais travailler, ben, ah, l'église ne manquera de rien. Tu seras condamné par tes paroles. Tu seras justifié par tes paroles. Éternel Dieu Tout-Puissant, accepte le pardon de celui qui a tout oublié. Tes bienfaits, tes souvenirs, et maintenant qui se souviennent de toi. Rafraîchis la mémoire de chacun. Que chacun se souvienne de son parcours avec toi. Que chacun se souvienne de son parcours avec l'Église. Que les fils se souviennent de leur parcours avec les pères biologiques. Que les fils se souviennent de leur parcours avec les pères spirituels. Que ceux qui ont été positionnés, ceux qui ont été élevés dans la société, se souviennent de ceux qui les ont élevés, de ceux qui les ont aidés. Ma prière est d'amener ton peuple à la repentance, de souvenir. La repentance des souvenirs de Dieu. La repentance des souvenirs de l'Église. La repentance des souvenirs des parents. La repentance des souvenirs des amis. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons place.